C'est quoi? C'est une mission de la région de France qui vous donne des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est aussi de favoriser les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Un rendez-vous proche orientation, qu'est-ce que c'est? C'est rencontrer en ligne, en direct ou en replay, un ou une professionnelle, ambassadeur ou ambassadrice de son métier, qui vous présente son travail, son quotidien et son parcours et qui répond en direct à vos questions grâce au chat. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, aujourd'hui, nous en parlons des métiers en tension, comme je l'ai évoqué précédemment. Et donc, à l'écran, vous avez donc la présentation des intervenants. Et je vais laisser la parole à Madame Perrault-Lefebvre pour représenter un petit peu le cadre de la mission du CIO et aussi de la compétence partagée sur l'information des métiers et l'orientation entre le rectorat et le conseil régional. Madame Perrault. Merci, Monsieur Leleu. Oui, donc dans le cadre de cette semaine printemps de l'orientation, hein, donc il me semblait important de commencer par repréciser un petit peu ce qu'on voulait dire quand on parle d'orientation. Tout d'abord, en fait, l'orientation, c'est au-delà de l'information simple sur les métiers et les formations, c'est surtout acquérir des connaissances et des compétences à s'orienter pour le jeune. Hein, donc, bien sûr, des connaissances en termes de filières de formation, de modalités de formation, sur le monde professionnel et l'insertion, c'est un des objets de la réunion de ce soir. Hein. La connaissance de soi aussi, c'est extrêmement important pour un jeune d'identifier ses intérêts, ses valeurs, ses points forts, ses faiblesses, hein, tant sur le plan scolaire que sur d'autres plans, pour bien sûr ensuite être en capacité de s'auto-évaluer et de voir un petit peu quel type de métier ou de formation pourrait lui correspondre. Les compétences à s'orienter, c'est aussi savoir prendre de l'information, savoir s'exprimer. Enfin, donc, ce sont tout un tas de compétences transversales qu'on travaille aussi au travers des disciplines scolaires et qui peuvent permettre aussi de donner du sens aux apprentissages pour l'élève et donc aussi qui sont de nature à le motiver scolairement. Alors, Madame pour Perrault, acquérir, oui? une question, quand vous parlez de connaissance de soi, Oui? donc c'est le jeune, mais aussi le rôle des parents dans cette connaissance de Oui, soi. tout à fait. Alors justement, donc pour permettre aux jeunes d'acquérir toutes ces connaissances et compétences, il y a un accompagnement qui se fait tout au long de la scolarité du jeune. Hein, et parmi les acteurs de cet accompagnement, c'est la partie basse là, de la slide. Hein, il y a bien entendu les parents ou les éducateurs, hein, quand on a des jeunes qui sont suivis aussi par des éducateurs en parallèle. Donc l'idée, en fait, c'est qu'effectivement, vous êtes quand même en tant que parents. Les premiers supporters de votre enfant, enfin dans le sens où vous connaissez bien, enfin en tout cas vous connaissez ses principales facettes, et vous êtes aussi à même de repérer aussi en lui ses potentialités, lui donner confiance en lui, de l'aider dans ses questionnements, et ça c'est un rôle extrêmement important. Et pour moi donc vous avez aussi le premier rôle à jouer. Mais au niveau de l'école donc il y a aussi un accompagnement qui est assuré par l'équipe éducative, l'ensemble des enseignants, mais plus particulièrement le professeur principal ou les professeurs principaux, puisqu'en terminale, les élèves ont deux professeurs principaux qui ont un rôle particulier dans le suivi individuel et l'information aussi collective des élèves sur les procédures d'orientation, etc. Les services d'orientation, bien sûr, donc sont également impliqués. Hein, donc, je représente ici les centres d'information et d'orientation. Il y en a 9 dans le département du Nord. Donc, dans les CIO travaillent des psychologues de l'éducation nationale qui ont donc une compétence particulière en psychologie et donc une connaissance de l'adolescent et de ses problématiques et qui vont travailler donc plutôt en lien bien sûr avec l'équipe éducative sur tout ce qui va favoriser chez l'élève la connaissance de soi, de ses problématiques aussi de scolaire, etc. et qui va aider le jeune surtout dans des phases d'entretien individuel pour l'aider à structurer aussi son cheminement dans la construction de son projet, l'aider à se poser les bonnes questions, travailler avec lui sur les intérêts. On parlait de la connaissance de soi et c'est vrai que ça, c'est un domaine que les PsyEN travaillent plus avec les élèves via par exemple des questionnaires d'intérêt, des questionnaires de personnalité, enfin d'autres outils Et maintenant, hein.
dont nous disposons en tant que psychologue. Mais cet accompagnement, il se fait aussi avec les partenaires du monde économique et professionnel, dont la région, dont les branches professionnelles, dont les différents acteurs de la formation, de l'apprentissage, pour pouvoir présenter aussi et, aux jeunes, en fait, toutes de façon très concrète, expérientielle, ce que c'est que le monde de l'entreprise, quels sont les différents métiers, enfin comment c'est organisé, etc. Et aussi les ressources de formation. Alors pour ce faire, il y a un certain nombre de ressources et d'actions dédiées en termes d'orientation. Donc la semaine printemps de l'orientation que vous vivez actuellement, enfin que les jeunes vivent actuellement, pour les élèves de seconde et de première générale et technologique, en fait partie, mais pas seulement. Hein, on a aussi tout ce qui est donc les semaines de l'orientation en lycée, qui interviennent en décembre et en janvier, qui sont aussi l'occasion dans les établissements de faire un focus sur l'orientation. Il y a tout ce qui est stage de découverte, les immersions aussi dans l'enseignement supérieur, par exemple, qui peuvent être proposées. Les portes ouvertes qui sont vraiment aussi un temps. Alors cette année, c'est un peu portes ouvertes virtuelles dans la plupart des cas, mais c'est un temps important aussi de découverte des établissements de formation, de rencontres avec les étudiants et puis les enseignants. Et ce sont des temps aussi importants d'échange. Bien sûr, tout ce qui est forum, salon, les sites ressources, hein, l'ONICEP, mais aussi donc le site Parcoursup, par exemple, qui regorge d'informations, qui n'est pas uniquement un site qui sert à postuler sur l'enseignement supérieur, mais qui regorge d'informations sur les formations, leur contenu, etc. Puis bien sûr, donc Proche Orientation, qui a développé depuis sa compétence, les compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, qui a développé donc tout un dispositif, des ambassadeurs métiers, enfin donc tout un accompagnement aussi des jeunes de la région en matière d'information sur les métiers et les formations. Donc c'est vraiment un travail collaboratif, l'idée étant de permettre aux jeunes vraiment de se construire un parcours de façon progressive, un parcours qui soit le plus sécurisé possible, avec aussi un droit à l'erreur. Hein. Il y a des passerelles qui existent entre les filières, il y a des dispositifs de réorientation aussi qui existent. Enfin, donc l'idée, c'est de rassurer les jeunes sur leur parcours et les possibilités aussi de bifurquer en cours de route sur d'autres choses. C'est de leur donner de l'ambition aussi dans ce parcours, c'est-à-dire que leur donner suffisamment confiance en eux pour croire en leurs capacités. Et notamment lutter aussi contre les stéréotypes donc qui enferment un peu le jeune et qui limitent un peu les possibles. Je pense aux stéréotypes notamment par rapport au caractère sexué des métiers. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on essaie de travailler au quotidien, dans le sens où ça enferme les jeunes sinon dans un nombre de possibilités limitées. Il faut par exemple que les filles osent aller par exemple vers l'informatique. Enfin, donc sont des choses qui sont sur lesquelles on travaille notamment au sein aussi d'Éducation nationale en partenariat avec les différents acteurs. Hein. Ça, c'est un exemple, mais à l'inverse, on pourrait aussi dire bien les hommes peuvent aller aussi plus vers les métiers du soin, par exemple, ou de l'aide aux personnes âgées, aux enfants. Enfin, donc voilà, c'est aussi combattre tous ces stéréotypes qu'on peut rencontrer et lutter aussi contre l'autocensure. De milieux, par exemple, plutôt plus défavorisés, qui sont en éducation prioritaire, ne s'autorisent pas forcément des parcours d'études longs, etc., alors qu'ils en auraient les possibilités. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer aux jeunes toutes les possibilités. L'alternance est également aussi quelque chose sur lequel on travaille, puisque l'alternance permet de préparer un diplôme, et pas seulement un diplôme professionnel infra-bac. On est bien sur une modalité de formation qui permet d'acquérir des diplômes du CAP jusqu'au master, hein, au diplôme d'ingénieur. Donc en fait, on est vraiment sur d'autres modalités de formation qui peuvent permettre aussi de sécuriser les parcours du jeune. Madame Perrault, si vous permettez, oui. S'il vous plaît, les auditeurs, oui, c'est assez si vous pouvez couper vos micros et laisser la parole à Madame Perrault, s'il vous plaît. Ben, j'en ai presque terminé, mais c'est un peu perturbant pour tout le monde, je pense. Veuillez bien couper vos micros, s'il vous plaît.
Voilà, donc l'idée, oui, je parlais de l'alternance en disant que ça fait partie aussi des modalités de formation à valoriser aussi auprès des jeunes parce que ça peut leur permettre aussi de mieux leur convenir en termes de modalités de formation et c'est aussi surtout un atout important en termes d'insertion professionnelle puisque les études montrent qu'à diplôme égal, les jeunes formés par l'alternance ont un meilleur taux d'insertion professionnelle. Et ce, quel que soit le niveau. Donc voilà, un peu pour, de façon assez rapide, hein, donner quelques repères sur finalement comment on travaille l'orientation au sein des établissements avec les élèves, qu'est-ce qui est important. Enfin voilà, l'idée c'est que l'orientation, ce n'est pas quelque chose à un moment T, voilà, on choisit, puis après c'est fini. Les jeunes vont devoir tout au long de leur cursus de formation et tout au long après de leur même de leur vie d'adulte être amenés à faire des choix, à peut-être changer aussi certainement d'ailleurs de profession où leur métier va évoluer. Donc l'idée c'est de les préparer aussi à cette à ces évolutions, à ces choix successifs qu'ils vont devoir faire, à une certaine adaptabilité aussi, hein, donc d'où le développement aussi de compétences transversales qui sont recherchées aussi dans les entreprises, hein, l'autonomie, le travail en équipe, enfin voilà, des choses qui vont être à valoriser dans un parcours d'études et aussi après un parcours professionnel. Voilà pour mon propos liminaire, hein, par rapport à l'orientation. On aura l'occasion, de revenir après peut-être par rapport à des questions plus précises, ou je ne sais pas s'il y a déjà des questions, où on passe à la suite, Alors pour Chevelot. surtout les parents présents ou même les jeunes qui nous écoutent, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on est là pour vous répondre. Et surtout, je vous rappelle aussi de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, Madame Perrault, vous avez parlé d'alternance. Peut-être, Monsieur Desbonnets, vous avez des informations à nous donner? Bah écoutez, d'abord merci Madame Perrault parce que c'était très clair et très complet. C'est vrai que au niveau des centres de formation d'apprentis, ça fait partie aussi de notre mission d'accompagner les jeunes et leurs familles sur leur parcours, sur leur orientation. Ce qui est important, et vous l'avez cité à la fin de votre propos, c'est que eh ben, cette orientation, elle se fait au fil de l'eau. On est en accompagnement sur ce sujet, bien sûr en amont, avant d'intégrer un jeune en alternance, en apprentissage, mais la construction de son parcours se fait au fil des années on essaye de les amener petit à petit à augmenter leurs compétences, leurs connaissances, à acquérir un niveau de formation qui leur permette de s'épanouir, de répondre à des besoins d'entreprise pour une insertion durable. Donc ça fait partie vraiment de notre mission au quotidien, à la fois les formateurs, mais aussi tout le personnel qui entoure le jeune dans son parcours d'apprentissage. Donc, il faut surtout pas hésiter, hein, vous parents, de nous solliciter. Alors, c'est parfois un peu compliqué de bien repérer qui peut nous apporter un éclairage ou une explication. Là, vous avez l'occasion ce soir de pouvoir le faire. Et n'hésitez pas. Alors, c'est vrai, vous avez également cité des immersions possibles dans les établissements. Dans les CFA, ça se fait. On accueille régulièrement des jeunes qui ont envie de découvrir des métiers ou une manière de se former. Donc ça, c'est tout à fait possible. On vous donnera des coordonnées, des sites où vous pourrez retrouver des informations précises. Mais bon, voilà, on est partie prenante de l'accompagnement des jeunes sur leur parcours de formation. Et moi, je retiens un mot qui a été cité par Mme Perrault et qui est très important pour moi, c'est le mot ambition. Donner de l'ambition et avoir de l'ambition. Donc, je pense que les jeunes ne doivent pas s'interdire d'ambitionner, quelle que soit la filière qu'ils veulent entreprendre, et aussi peut-être de faire de leurs rêves ou leurs envies une réalité. Et s'offre à eux donc les différents parcours que vous avez cités, Madame Perrault et vous, Monsieur Desbonnets. Oui, puis valoriser toutes les compétences, pas uniquement les compétences scolaires. On le voit
comment dire, dans les critères aussi, même d'admission dans l'enseignement supérieur, hein. Il y a des compétences extrascolaires sont également importantes, les savoir-être. Donc dans les et donc c'est aussi dépasser simplement l'aspect résultat scolaire et enfin bien sûr c'est important mais il y a aussi d'autres compétences qui sont importantes et tout aussi importantes parfois je dirais même. Voilà. Très bien. Oui, pour rebondir ce que vous dites, hein, Madame Perrault, souvent les entreprises nous demandent de mettre en valeur ces autres compétences. Un jeune qui est capitaine, on parlait du foot tout à l'heure, mais qui est capitaine d'une équipe, de son équipe de foot, ça démontre quelque chose. Voilà, en termes de fédérer autour de lui son équipe, d'emmener son équipe vers une victoire, ben voilà, ça dit quelque chose de lui. Mais alors, c'est pas des compétences scolaires ou des connaissances scolaires, mais ce sont des choses qui sont très intéressées et appréciées aujourd'hui par les entreprises. Tout à fait. Très bien. Donc, Justement, si je peux me permettre, Monsieur Guéant. Monsieur Guéant, allez-y. Oui, si je peux juste me permettre, c'est effectivement, enfin moi je tiens vraiment à amplifier hein, en tant que parent et puis en tant que représentant professionnel, je tiens à amplifier justement ce terme de compétence. Une compétence, ce n'est pas une compétence scolaire, ce n'est pas une compétence forcément professionnelle, ça peut être une compétence associative de la vie diverse et variée, parce que vous avez nos jeunes qui peuvent être en lycée. Et qu'ils ont décidé de devenir, on peut dire de se faire un peu d'argent de poche, mais nourrice ou nounou, donc garder des enfants, c'est une compétence. Donc voilà, donc il faut vraiment que toutes les compétences d'un jeune qui met en contribution d'un autre domaine, voilà, il faut qu'il le met en valeur parce que ben voilà, c'est important pour le professionnel, c'est important pour l'employeur, c'est important pour l'orientation. C'est voilà, ça montre la capacité à notre jeune de pouvoir se pallier à une situation qu'il souhaiterait faire. Voilà, c'est Oui, puis en fait c'est vraiment dans ce domaine-là. se mettre aussi en confiance et ne pas avoir peur du regard de l'autre et du qu'en dira-t-on peut-être. Voilà, c'est exactement ça, monsieur Leleu. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, on va rentrer dans le vif du sujet, donc sur les secteurs d'activité qui sont en tension dans notre région. Donc, métier en tension, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi et qu'il y a de nombreux postes à pourvoir, mais qu'hélas, les entreprises ne trouvent pas suffisamment de candidats. Ce sont des secteurs où l'insertion sur le marché du travail sera rapide et aisée. C'est un état des lieux régional, mais la tendance dans chaque département et donc dans le Nord est exactement la même. Donc, concernant les métiers, il y a l'agriculture. Donc, l'agriculture, souvent, ça se résume à l'élevage ou à la culture ou au maraîchage, mais c'est pas que ça, ça touche également à l'aménagement paysager, à l'horticulture, à l'aquaculture, la gestion des forêts, la pêche, la viticulture, la maintenance des machines agricoles. Et de ce fait, l'agriculture connaît des évolutions très importantes avec l'agriculture connectée. Et je pense que Monsieur Varré, qui est là dans le domaine du numérique et informatique, pourra peut-être nous parler, non pas l'agriculture connectée, mais du domaine qui l'incombe. Et donc, dans cette agriculture connectée, on utilise des drones, des GPS, des ordinateurs pour optimiser les cultures et les productions. Et donc, beaucoup de métiers s'ouvrent dans ce domaine. Les métiers les plus recherchés sont les éleveurs salariés, les conducteurs d'engins agricoles ou forestiers, les viticulteurs, les arboriculteurs salariés, les cueilleurs, et aussi donc les métiers de la maintenance agricole. Donc, de nombreux diplômes permettent de travailler dans ce secteur, donc des CAP, des bacs pro, des BTSA, des BUT. Et donc, peut-être si Madame Perrault ou si l'un d'entre vous voulait rebondir sur ces aspects cités, surtout n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, non, non, de toute façon, pour tous les secteurs qui vont être envisagés, enfin, en tout cas, c'est le cas pour l'agriculture, les niveaux de diplôme vont du CAP au diplôme d'ingénieur, aux formations commerciales. Enfin, donc, ça touche un peu aussi tous les niveaux de qualification, toutes les modalités de formation. Enfin, bon, voilà.
Et puis ce sont des filières qui vont devoir répondre à des grands défis, hein, la gestion de l'environnement et puis nourrir la planète, hein. On nous annonce combien, 9, 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc ce sont des vrais défis de société qu'il va falloir relever ensemble. Et donc ces filières-là, en particulier, sont tout à fait concernées. Donc après aussi des très beaux métiers, l'artisanat d'art, pardon. Il existe 281 métiers d'artisanat d'art, répertoriés dans 16 domaines d'activité. L'ameublement et la décoration, la bijouterie, joaillerie, mode et accessoires, horlogerie, travail du cuir, travail du métal, du verre, du cristal. Après, je pourrais en citer bon nombre, mais je vais arrêter là la liste. Alors, riche de savoir-faire varié, les professionnels de métiers d'art travaillent dans la décoration, l'architecture, la mode, les arts du spectacle ou encore le patrimoine culturel. La plupart dans ce domaine sont des CAP, des brevets, des métiers d'art, des bacs pro. Donc, Monsieur Desbonnets, peut-être si vous avez à réagir là-dessus ou je passe sur le domaine suivant, n'hésitez pas surtout. Hein. Ce sont souvent des métiers rares avec un savoir-faire à la française. On sait que le domaine du luxe en particulier, c'est quand même un savoir-faire à la française. Et alors c'est vrai qu'on cite des niveaux CAP, brevet professionnel. Alors on est sur des niveaux d'expertise tout à fait importants et qui débouchent sur une insertion et une rémunération qui est tout à fait aussi intéressante. Il faut aussi le savoir et le partager. Donc, alors c'est souvent des métiers passion, hein, mais qui permettent vraiment un épanouissement très fort de ceux qui sont dans ces domaines. Très bien. Ensuite, les métiers de l'assurance et de la banque. Donc, ce secteur emploie surtout des chargés de clientèle et des conseillers en ligne, mais également des techniciens pour justement traiter toutes ces opérations bancaires qu'on fait sur Internet, voire en bourse. Dans l'assurance, on cherche également des chefs de produit marketing et des actuaires pour créer des nouveaux contacts et fixer des tarifs. Et on cherche aussi et surtout des commerciaux pour vendre tous ces contrats à la population qui a besoin de se protéger, d'assurer, de se rassurer et contre les accidents de la vie. Et, ou bien de vendre aussi des services bancaires qui sont aujourd'hui en nombre. Et, ou alors aux gens tout simplement pour ouvrir un compte en ligne ou autre. Et les niveaux de diplôme attendus pour travailler dans ce secteur va du bac plus 2 jusqu'à bac plus 5. Alors on est cette année et puis pour la rentrée prochaine très sollicité hein, nous les centres de formation d'apprentis par un certain nombre d'entreprises dans ce domaine pour recruter en apprentissage. Et c'est vrai, vous l'avez cité, BTS, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et sachez qu'en apprentissage, on peut construire un parcours et aller jusqu'au bac plus 6 en apprentissage aujourd'hui. Hein. Donc, vous pouvez développer sur le parcours éventuellement? Bah, sur le parcours, par exemple, sur l'assurance et banque, pardon, on peut donc démarrer avec un BTS banque et assurance en apprentissage ou en formation initiale statut scolaire, hein, ou alors faire une année en année scolaire et puis une année en apprentissage à terminale. Mmh. Tout est possible. Hein. Le tout, c'est s'adapter à ce que souhaite le jeune, ce qu'il a envie et puis ce qu'il rassure. Donc, mais tout est envisageable. Après un BTS, banque et assurance, on peut continuer par une licence professionnelle, marketing, par exemple, avec option banque. Licence professionnelle qui permet à l'issue une insertion, ou alors on peut faire très bien une licence en marketing, mais licence générale, qui permet ensuite de bifurquer sur un master.
et donc atteindre un niveau bac plus 5 à l'issue. Donc ça c'est un exemple, mais on pourrait démultiplier des exemples sur d'autres filières. Et je vois que Madame Perrault acquiesce d'un mouvement de tête. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Ensuite, les métiers de la comptabilité et de la gestion. Donc, les professionnels de la gestion et de la comptabilité sont indispensables au bon fonctionnement de toute entreprise privée ou administration publique. Elles permettent de s'assurer que l'entreprise reste rentable et qu'elle ne perd pas d'argent. Elle gère aussi le personnel, donc les ressources humaines, en l'occurrence la paie, les arrêts maladie, les évolutions de carrière, etc. Donc, pour les niveaux de diplôme pour ce domaine sont du bac plus 2 minimum jusqu'à bac plus 5. Aujourd'hui, on pleure pour avoir des comptables. Moi, j'en cherche un. on a vraiment du mal. Et donc, mais c'est partagé par beaucoup de professionnels. C'est une filière qui recrute. Très bien. Ensuite, le métier du bâtiment, travaux publics. Donc, ce secteur n'englobe pas que les ouvriers qui travaillent sur les chantiers dans différents domaines tels que le gros œuvre, donc maçonnerie, coffrage, charpente, etc. Et le second œuvre qui, lui, regroupe le chauffage, électricité, la plomberie, peinture. C'est aussi un secteur qui inclut des chargés d'affaires, des ingénieurs d'études, des techniciens qui dimensionnent les ouvrages, qui réalisent des plans détaillés et aussi des plans maintenant par système numérique assisté, me semble-t-il, et qui définissent des méthodes de construction, qui chiffrent des coûts de travaux, qui réalisent aussi des appels d'offres. Donc, les travaux publics s'appuient aussi sur des équipes ouvrières pour la construction et l'entretien des routes et autoroutes, l'installation d'éclairage public, la construction de ponts, d'ouvrages d'art. Et c'est donc un domaine de métier qui recrute. Et en l'occurrence, j'en ai listé que quelques-uns, donc charpentier-couvreur, métier du gros œuvre et du second-œuvre. On pourrait rajouter également le TP dedans, peintre en bâtiment, les ouvriers des travaux publics, plombier chauffagiste, pour ne citer que cela. Donc, le secteur du bâtiment est ouvert à tout profil, hein, pour revenir tout à l'heure sur les propos de Madame Perrault, homme comme femme, donc la mixité. Hein, maintenant, on n'a plus forcément besoin de gros muscles pour travailler dans des métiers dits masculins. Je pense que la mixité apporte aussi une touche différente et apporte aussi des qualités humaines et différentes. Et je pense que ça peut être apprécié par tous ces domaines que nous avons de toute façon listés auparavant et celui-là. Donc pour le secteur du bâtiment, dans ce domaine, ça va donc des diplômes du CAP, du bac pro, d'un BTS, d'un BUT jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Et donc, je pense qu'au niveau des filières, que ce soit la voie initiale ou l'alternance, je pense que là, on a aussi de quoi ambitionner. Si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas. Ouais. Moi, je dirais que c'est un domaine qui a aussi fortement évolué dans le sens où il y a les contraintes environnementales qui sont plus prégnantes, le développement durable. Hein, donc, c'est aussi un secteur qui connaît des évolutions importantes au sein des métiers. Et donc, voilà, c'est intéressant aussi. Ça regroupe certaines valeurs aussi qu'ont nos jeunes, donc de soucis de développement durable, d'inquiétude par rapport à tout ce qui est... Voilà, recyclage. La planète, voilà, recyclage. Donc, bon, je pense que c'est des métiers qui sont pas forcément très spontanément choisis par les jeunes, mais qui méritent en fait justement d'être mieux connus et d'être explorés et effectivement ouverts, qui doivent s'ouvrir aux filles, hein, puisque ça reste un secteur quand même très traditionnellement masculin. Et est-ce qu'il n'y a pas dans ces métiers dits d'hommes des préjugés de parents ou un stéréotype qui fait que le plombier, c'est le Mario avec la moustache et la casquette et la salopette. On a tous nos préjugés, nos stéréotypes. Donc, effectivement, c'est par les immersions aussi, par exemple, aux découvertes d'entreprises que les jeunes filles peuvent s'ouvrir à ces métiers. Après, ce n'est pas forcément toujours simple de se retrouver seule fille dans une section de garçons. Hein. Donc, il faut avoir aussi un peu de personnalité pour
pour réussir à, bon, voilà, à montrer qu'on est tout autant capable qu'un garçon de réussir dans ces filières, mais c'est important de le réaffirmer. Et ça passe peut-être déjà par des noms de métiers qui soient féminisés aussi, enfin, parce que là, effectivement, tout est au singulier. Tout est au masculin, pardon. On est bien d'accord, sans compter que les emplois féminins faits par des hommes peuvent être aussi Ouais, très intéressants. tout à Et fait. je serai personne présente pour en parler. Et Monsieur Guéant en est l'exemple vivant. Alors, Pour continuer, donc, les métiers de la maintenance, donc, les professionnels de ce domaine de la maintenance ont un triple objectif, détecter les pannes, les réparer, mais aussi et surtout faire de la prévention pour anticiper tout dysfonctionnement. Donc, c'est vraiment des techniciens de maintenance sont vraiment indispensables à une entreprise, car dès qu'une panne survient, c'est toute une chaîne de production qui s'arrête. Donc, plus de production, et qu'il n'y ait plus de production, perte de temps, perte d'argent. Donc, cette maintenance concerne bon nombre de secteurs, tels que l'automobile, le transport, l'informatique, l'agriculture, pour citer le domaine de tout à l'heure, mais aussi les machines agricoles, la manutention, les travaux publics. Aussi les bâtiments des collectivités territoriales ou locales. Donc vraiment, c'est un domaine qui concerne pratiquement notre quotidien. Et donc pour ces secteurs, c'est ouvert à tout profil. Et pour exister dans son domaine, on peut faire un CAP, un bac pro, un BTS, un BUT et jusqu'à un diplôme d'ingénieur. là aussi, il y a une forte évolution hein, technologique. Aujourd'hui, tout est connecté. Et donc, on a besoin de techniciens performants et bien formés, que ce soit dans l'automobile, dans l'agricole ou même dans la maintenance de collectivités. Si on prend un exemple sur l'automobile, aujourd'hui, avec les véhicules hybrides électriques et connectés, voilà, les techniciens, on appelle plus des techniciens que des mécaniciens, doivent avoir un niveau de performance dans le diagnostic et la réparation qui est élevé. Donc, ce sont des métiers qui évoluent aussi de manière très forte. Monsieur Varré, peut-être un mot sur ces métiers connectés? Alors, effectivement, voire maintenant, ça fait penser à tout ce niveau de diplôme dans le domaine de l'informatique, du bac pro au BTS, en fait, qui sont vraiment des métiers où on a une orientation maintenance des réseaux, donc des réseaux et de la télécommunication, hein, qui sont des choses, on le sait bien aujourd'hui, extrêmement importantes. Donc, effectivement, comme le disait Monsieur Desbonnets à l'instant, il y a une compétence technique supplémentaire par rapport à ce qu'on pouvait imaginer des métiers d'avant et de plus en plus pointus sur ces métiers-là. Et donc forcément une formation tout au long de la vie, je pense. Je pense que c'est le cas effectivement avec tous les métiers qui deviennent de plus en plus techniques nécessitent une formation tout au long de la vie. Très bien. Ensuite, le domaine du centre de la santé et du social, y compris les services à la collectivité et à la personne. Donc, secteur qui est sous les feux de la rampe au regard de cette pandémie. Donc, il comprend tous les métiers du médical, hein, médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, ophtalmo, pour citer que cela, et les métiers du paramédical, infirmier, psychologue, kiné, orthophoniste. Et également, donc, les métiers du social, éducateur spécialisé, assistante sociale, conseiller en économie sociale et familiale. Je pourrais en citer plein d'autres. C'est un domaine où l'emploi est très stable, environ 90% des salariés sont en CDI, et le top 5 des métiers, alors il n'y a pas de classement, c'est simplement des métiers que j'ai répertoriés, donc les aides-soignants, aides médico-psychologiques, les agents des services hospitaliers, kinésithérapeutes, diététiciens, médecins. Alors, Monsieur Guéant, si vous avez des choses à nous dire là-dessus. Alors moi, j'ai apporté une expérience, une histoire qui est extrêmement belle et importante pour montrer à tous nos jeunes qui sont présents que aucune barrière peut nous être posée
c'est que j'ai connu une amie qui est beaucoup un peu plus âgée que moi, hein, naturellement. C'est pour dire de me mettre un peu plus jeune. Qui était agent de service hospitalier, donc qui était en deux mots, femme de ménage dans un hôpital. C'était à l'Oscar-Lambret. Elle était agent de service. Elle n'avait pas de qualification et elle était rentrée à l'Oscar-Lambret pour faire la désinfection, le nettoyage. Comme vous pouvez le savoir, c'est un métier qui est extrêmement important à ce jour parce que la désinfection des locaux font partie des gestes barrières de la situation actuelle. Et cette dame, en fait, on lui a proposé de passer le diplôme d'aide-soignante parce que voilà, on a envie d'envidouiller. Et les métiers de la santé sociale, oui, ça doit être une, comme je l'ai entendu pour d'autres métiers, hein, c'est une passion. Ça doit être une passion avant tout parce qu'on est dans. On est dans les difficultés. Donc oui, non, les aides-soignants ne sont pas prioritaires, non, les agents de service ne sont pas prioritaires, les infirmiers non plus, les médecins kinés non plus, mais on est tous un global, une priorité nationale, qui est comme tous les autres métiers, hein, les artisans, les... Je ne peux pas me permettre de parler de métiers plus prioritaires par rapport à d'autres. J'ai envie de vous dire que tous les métiers sont importants, mais que le métier ne pourra être exécuté de manière optimale et sublimer le métier que si notre jeune est en passion de ce métier. Voilà. Et nous, parents, nous, professionnels, on doit apporter cette fougue, cette passion du métier qui choisit. Et Monsieur Guéant, j'aimerais que vous puissiez parler de ce que vous aviez évoqué quand on s'est vu récemment au lycée Lursa de Maubeuge, sur lorsque vous étiez dans une chambre d'un patient avec des autres personnes, et je vous laisse poursuivre. Alors, Donc je là, vais dire, c'est par rapport au métier genré. mais c'est très très intelligent, monsieur Leu, et je vous en remercie de me le rappeler parce que moi, ça a été une anecdote assez perturbateur. C'est que j'étais aide-soignant, et je me souviens même, j'étais stagiaire soignant, hein, et donc j'étais en stage dans un hôpital, et on faisait le tour, vous savez, le tour des chambres. C'est tous les matins, vous avez les médecins, les aides-soignants, les infirmiers qui font un tour de chambre pour parler de la pathologie des personnes. Et donc j'étais accompagné d'une médecin femme, féminine, hein, donc une doctoresse spécialiste qui est ma mentor, et accompagnée d'infirmières. Et quand on est rentré dans la chambre d'une personne d'un certain âge, la première chose qu'elle a fait, c'est bonjour docteur en me parlant à moi. Et j'ai dû rappeler comme quoi que j'étais simplement le soignant et lui apporter une aide autre. Donc voilà, c'est pour vous montrer que la population française et la population aujourd'hui n'a pas encore assimilé le fait que un aide-soignant peut être un homme, un médecin peut être une femme, une infirmière peut être une femme, mais pas forcément des hommes. Donc voilà, donc oui, effectivement, on a des agriculteurs qui peuvent être des agricultrices, des chauffeurs poids lourds qui peuvent être des chauffeuses poids lourds. Voilà, donc c'est arrêtons, ouais, avancer dans ce domaine-là et montrer que. On a tous notre place, hommes, femmes, et moi je vous dis honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien, et depuis plusieurs années maintenant, je tombe dans des services uniquement de femmes. Je me sens très très bien en compagnie de femmes dans un métier de femme, et pourtant je suis un homme, et pour autant, croyez pas que parce que je suis un homme, on va me dire voilà, c'est l'homme avec ses biscottos qui va apporter une aide à la femme, c'est strictement faux. J'étais accompagné d'une petite jeune collègue. Et quand vous la voyez, elle avait. Moi, je faisais 120 kilos à cette époque. Hein, elle avait l'air un petit gringalet ou bien quoi. Et bien, c'est cette jeune fille qui m'a apporté une aide pour porter un patient, plutôt que moi qui l'ai aidé à porter le patient. Donc voilà, c'est vous montrer l'image. C'est que ce n'est pas la force, ce n'est pas la carrière de la personne qui fait le professionnalisme. C'est l'intelligence et la mise en application des procédés qui font qu'on peut être beaucoup plus fort que ce qu'on croit être. Donc voilà, donc non, non, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, c'est un métier et un métier par passion. Très bien. Les autres participants ou intervenants, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Ben, Non.
Ah, Madame Perrault, allez-y. Non, allez-y, non, c'était, c'est très vrai, c'est par l'exemple qu'on peut aussi, par des exemples discordants par rapport à nos représentations, qu'on peut faire évoluer les choses. Moi, deux petites réactions par rapport à ce que disait Monsieur Guéant. On parle de passion et on dit souvent il faut que les jeunes soient passionnés, mais je pense qu'avant tout, il faut que on leur offre un cadre passionnant et c'est ça qui les passionnera. Parce qu'on ne naît pas passionné ou pas passionné et c'est toujours un peu la tarte à la crème. Ah ouais, les jeunes ne sont pas passionnés. Bah ouais, mais je pense qu'il faut leur apporter un cadre passionnant et peut-être des gens qui leur apportent cette passion. C'était une petite parenthèse par rapport à ce que vous disiez. Et puis, par rapport au top 5 des métiers, à part médecin, je pense pas qu'on ait des apprentis médecins, mais peut-être que ça viendra un jour. Tous les autres métiers peuvent se faire, enfin, peuvent s'apprendre par le biais de l'apprentissage. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais Alors, si je peux, peut-être qu'un jour. si je peux me permettre, Monsieur Leleux, de rajouter quelque chose à Monsieur Desmonnet, Je vous en et prie. je le remercie d'intervenir, parce que moi, je suis aussi en dehors de ma profession, je suis un représentant de parents d'élèves SCPE, donc dans le domaine de l'école publique. Et donc, oui, Monsieur Desmonnet, vous avez raison, il faut impérativement parler de l'apprentissage, parce qu'on a des enfants qui peuvent être, soit sur une volonté de faire de l'apprentissage, soit d'être un enfant qui est un petit peu en opposition avec l'école. Et donc l'apprentissage peut le raccrocher à un métier, à une envie. Et donc il ne faut surtout pas le snobler, bien au contraire, c'est un complément, c'est une aide, c'est un choix. Enfin voilà, donc moi j'ai vraiment envie aussi de sublimer cet apprentissage parce que ça peut être apporté une aide exceptionnelle. Un petit détail que je voulais apporter, et vous avez raison, Monsieur Dumonet, c'est qu'apporter une passion à nos jeunes, oui, et moi j'ai envie de rappeler et de dire aux jeunes qui sont présents avec nous aujourd'hui, c'est il n'y a pas de mauvaise orientation. C'est-à-dire qu'on peut choisir une orientation et s'apercevoir après que ce n'était pas forcément la bonne et que les portes sont ouvertes pour pouvoir sursauter à un nouveau choix. Donc ne vous faisiez pas de barrière. Moi j'ai des enfants, j'ai 5 enfants. J'ai une fille que j'avais voulu, en tant que papa, la motiver et aller dans l'enseignement général. Au bout d'un an, on s'est aperçu que moi et ma fille, on s'est vautrés. Enfin, pas moi, hein. Si, moi, excusez-moi, c'est moi qui l'avais poussée dans l'enseignement général. Et donc, je me suis vautré, elle est partie dans le professionnel et elle a sublimé dans sa profession au niveau professionnel. Donc, voilà, donc, il ne faut pas se mettre de barrière. Dites-vous bien que même si on rate une année, on peut toujours sursauter l'année qui suit. Il ne faut pas voilà, il faut pas se bloquer. Enfin, je pense que je ne dis pas de bêtises là-dessus, mais. Faut vraiment, vraiment, c'est dès la minute où on a la volonté, dès la minute où on veut, ben quand on veut, on peut. Et nous, les parents, on doit accompagner nos enfants, on doit soutenir nos enfants et on doit essayer de leur apporter toute l'aide nécessaire pour qu'ils puissent réussir à leur avenir. Et aussi, j'ajouterai un verbe, les écouter. C'est très très vrai, monsieur Leleux, c'est très très vrai, les écouter. Merci à vous. Et là, j'ai envie de dire le terme écouter. Ça doit être un terme qui doit être utilisé dans l'éducation nationale comme dans les familles. Si vous le permettez, on va passer à la slide suivante sur le transport des logistiques. Donc, transport, beaucoup de formes de transport, donc aérien, maritime par cargo ou fluvial par bateau, ferroviaire pour le train, routier, camion, poids lourd. Donc, on peut transporter des marchandises en France ou international, mais également dans le monde entier. Mais aussi, on peut transporter des personnes. Attendez, je vais admettre. Et donc, pour les personnes, ce sont des conducteurs de transport en commun, les ambulanciers, les chauffeurs de taxi, etc. Donc, la logistique, c'est une activité d'organisation qui sait gérer du conditionnement, c'est-à-dire de l'emballage d'une marchandise pour faciliter son transport, c'est gérer du stock dans des entrepôts, c'est gérer des transports, de la livraison d'une marchandise d'un fournisseur au client. C'est tout ce qui se passe dans les coulisses quand vous voulez acheter une paire de baskets, par exemple, sur Internet, et pour se la faire livrer chez vous. Donc, il existe une cinquantaine de métiers dans le secteur du transport et la logistique. Le métier de conducteur routier est très demandé. Et là aussi, métier qui est très peu représenté par la gente féminine. Les métiers de la logistique aussi se numérisent et recrutent de plus en plus. Et les niveaux de diplôme attendus vont aussi bien du bac pro au BUT en passant par le BTS et la licence pro.
Alors peut-être, Madame, Messieurs, Monsieur Varret, si vous avez des choses à rajouter là-dessus. C'est un secteur qui n'est pas très connu par les jeunes et qu'on a du mal. Enfin, je vois en post-bac régulièrement au niveau du DUT qui devient un but, ils ont du mal à remplir aussi leur section. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisamment connu des jeunes, même si maintenant, en fait, dans la voie professionnelle, on a une famille métier qui s'appelle comment assistant gestion et puis transport logistique, donc qui permet aussi de faire découvrir ces métiers. Ça va peut-être évoluer de fait, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas connu, alors que notre région offre pas mal d'opportunités dans ce secteur, effectivement. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Coulon. Monsieur Coulon, vous m'entendez? Je vous entends, ne changez rien pour moi. Continuez, je vous en prie. Merci, Monsieur Coulon. Bienvenue parmi nous. Merci. Oui, je pouvais peut-être compléter Je vous en prie. les propos d'à l'instant, parce qu'effectivement, sur la logistique, je pense qu'on n'imagine pas les métiers de l'informatique qu'il peut y avoir, alors qu'ils sont des métiers qui vont plutôt se situer à un niveau master, mais sur l'organisation de la logistique, qui sont des vraies problématiques auxquelles on s'attaque aujourd'hui. Parce que ce qu'on cherche, c'est à rentabiliser soit le stockage, soit le déplacement des marchandises. Et ça nécessite effectivement, pour l'organisation de celle-ci, des compétences qui incluent des outils qui sont liés à des compétences informatiques pour développer ces outils logistiques. On voit arriver plein de petites entreprises modernes, qu'on appelle les startups, qui s'occupent de ces problèmes-là. Et donc, si on voit avec des études à plus longue échéance, c'est vraiment typiquement un métier où il y a de l'emploi d'un point de vue informatique. Et puis peut-être rappeler que les Hauts-de-France est un pôle de compétitivité, un transport logistique, et qu'on est au carrefour de l'Europe. On a un positionnement privilégié et donc il y a de nombreuses opportunités dans notre région sur ces métiers-là. Vous allez sans doute évoquer le canal Seine-Nord qui va sans doute encore amplifier le positionnement de la région et du département sur cette filière. Tout à fait. Donc, le canal Seine-Nord, donc un projet à venir et des perspectives d'emploi. Donc, dans le Nord, le canal Seine-Nord Europe est une opportunité pour de l'emploi et le développement économique. C'est un équipement structurant toute une région au sein du premier réseau fluvial européen à grand gabarit, qui est long de 1 100 km, liaison Seine-Escaut. Et le canal Seine-Nord Europe, pardon, aura des effets économiques à court, moyen et long terme et sera un facteur de création de nombreux emplois dans beaucoup de domaines et permettront le renforcement et l'émergence des filières économiques existantes et nouvelles. Et à court terme, les travaux, de nombreux emplois seront générés par le chantier, estimés entre 3 000 et 6 000 emplois directs suivant les périodes, ainsi que pour l'accueil des équipes qui devront se loger, se nourrir et qui consommeront également localement. Et c'est estimé entre 10 000 et 13 000 emplois directs et indirects. Les travaux seront également l'occasion de développer le tourisme de chantier. Là, on l'attend avec impatience, hein, parce qu'on avait eu des estimations, hein, en termes d'offres d'emploi. Moi, j'avais une idée sur le nombre de chauffeurs d'engins TP. C'était faramineux, hein, pour ne serait-ce que la construction de ce canal. Donc, on se tient prêt, nous, les centres de formation, pour accueillir des apprentis et participer à ce grand chantier et ensuite à son exploitation. Très bien. Donc, dans le département, le top 10 des métiers qui recrutent actuellement, donc agent d'entretien de locaux, propreté, donc on l'avait évoqué avec Monsieur Guéant dans le domaine de la santé, mais pas que, hein. Aujourd'hui, je pense que les recommandations sanitaires font que tout un chacun prend conscience de l'entretien des locaux et de la propreté. Ensuite, les aides à domicile et les aides ménagères. Employés de maison et personnel de ménage, les aides-soignants,
les agents de tri et préparateurs de commandes, manœuvres et ouvriers BTP, développeurs informatiques, mais aussi, je pense, les autres métiers d'informatique liés, les infirmiers, infirmières, le domaine de la relation client, donc les téléopérateurs, les supports, et le commerce et vente. Si vous avez donc des choses à rajouter, Madame Perrault et messieurs, oui. Monsieur Coulon également, bienvenue. En fait, c'est rappeler que c'est l'enquête besoin de main-d'œuvre, donc ce sont des prévisions, enfin des projections, des intentions d'embauche, mais qui peuvent paraître un peu, enfin, sur des niveaux de formation qui paraissent peut-être pas forcément tous très élevés, mais je pense que c'est pas, enfin voilà, c'est la difficulté que j'avais évoquée la dernière fois, c'est-à-dire que là, par rapport à des jeunes qui vont entrer sur le marché du travail d'ici 3, 4, 5 ans, effectivement, les choses peuvent évoluer, mais il y a des secteurs où constamment on a ces besoins de recrutement. Mais voilà, la prudence à avoir aussi, quand on s'adresse, là on est sur des besoins de main-d'œuvre immédiats, ça ne sera pas forcément la photo d'ici quelques années sur notre région. Donc c'est aussi pour ça que les jeunes doivent aussi se tenir voilà, informés sur les possibilités d'insertion au fur et à mesure de leur parcours et adapter leur formation et leur parcours. Et moi, monsieur Guillon, si je peux me permettre, on sait très bien que dans le domaine de la santé, on est sous couvert des mises en disposition et des mises en moyens du gouvernement. Donc, c'est aussi l'avenir. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, le gouvernement va obliger de mettre des moyens supplémentaires. Donc, ça va être un vrai métier d'avenir. Donc, que ce soit les agents d'entretien et de propreté, ça va être indéniable. De toute manière, ça va rentrer dans les mœurs. Les aides-soignants, les infirmiers, pareil. Donc, voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Moi, je pense que dans les Hauts-de-France, ça va être un métier d'avenir aussi, avec... beaucoup d'ouverture, parce que vous savez que nous avons une population française qui vieillit de plus en plus, donc on a besoin de plus en plus de personnalités, de personnes qui puissent apporter une aide à nos anciens, sans compter que les maisons de retraite, on leur demande d'être de plus en plus médicalisées. Donc voilà, donc il faut vraiment, voilà, c'est un domaine, oui, effectivement, on peut entendre qu'il n'y a pas des postes, qu'il n'y a pas d'ouverture, mais il y a de l'emploi. Et ça, je peux vous le dire, il y a de l'emploi de manière très pérenne. Et moi, je voulais aussi revenir vers M. Varret parce qu'on a évoqué plein de domaines d'activité, de nombreux métiers, et on se rend compte que l'informatique est partout et elle le prend le pas sur beaucoup de métiers. Et d'avoir votre avis, M. Varret. Oui, alors effectivement, l'informatique est présente dans beaucoup, beaucoup de domaines d'application. Hein. C'est un métier en soi, mais c'est un métier de service, avant tout de service aux autres métiers et aux autres applications. Dans à peu près tout ce qu'on a vu passer, il y a de la place pour l'informatique. En termes de perspective d'emploi, là ici est noté développeur informatique. C'est vrai que c'est un métier qui est extrêmement en tension aujourd'hui. C'est un métier, quand on dit développeur informatique, ça va être un métier qu'on va situer plutôt à une sortie de BUT ou de licence pro et de master. C'est là où l'emploi est le plus important, avec un besoin d'emploi en région qui est à peu près le double de ce que l'ensemble des centres de formation, universités et écoles arrivent à produire chaque année. Donc c'est vraiment très très en tension aujourd'hui. Je pense que à l'échelle des 5 années à venir, on peut être à peu près tranquille sur ce secteur d'activité là. Et effectivement, quelque chose qui a quand même le vent en poupe depuis maintenant 15 ans, hein, puisque on avait prédit une baisse de ce secteur après. Les fameux passages de l'an 2000, et ça n'a pas du tout été le cas. Et aujourd'hui, et on le voit depuis un an maintenant, c'est clair que l'outil numérique, pour être un peu plus large que l'informatique, l'outil numérique est présent partout, il y a des besoins absolument partout.
Je voulais rebondir, profiter aussi pour rebondir sur la mixité qui est vraiment un problème dans ce domaine de l'informatique, avec des actions qu'on mène dans les universités ou dans les écoles pour essayer de recruter des filles et de leur faire comprendre dès leur plus jeune âge. Alors ça commence au collège, nos actions, pour leur faire comprendre que c'est aussi un métier féminin. Voilà, il y a une action phare qui est menée et qui s'appelle Informatique au féminin, qui s'adresse aux collégiennes et aux lycéennes et leur montrer ça. On a parlé aussi d'environnement. Alors ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte. C'est vrai que c'est quelque chose qui attire souvent les jeunes, de dire il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention à ce qu'on peut développer dans son environnement. Aujourd'hui, l'environnement, c'est une vraie problématique informatique. Développer des nouveaux logiciels ou des nouvelles applications que vous avez sur vos téléphones, développer des réseaux avec des besoins de calcul. On a tous entendu parler dans la presse là, de l'incendie d'OVH, qui est un énorme data center qui a brûlé là, ces derniers jours. Il y a une vraie problématique de réussir à avoir un outil informatique qu'on va trouver de plus en plus présent et qui ne consomme pas les ressources de la planète. Et ça, c'est un vrai enjeu d'avenir, par exemple. C'est vraiment quelque chose d'important. Des jeunes qui ont envie de s'investir en disant « Moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est développer des applications informatiques, mais en faisant attention à la consommation d'énergie que ça va avoir », c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Un autre métier d'avenir, c'est évidemment tout ce qui concerne les objets connectés. Comment on fait pour... on n'imagine pas en fait ce qui se passe quand on a un téléphone dans la main en termes d'informatique et le panel de métiers qui peuvent être adressés pour pouvoir réussir à mettre en place cette chose-là. Et donc voilà, ça fait juste un petit tour rapide. Tout à l'heure, on a parlé, nos trois autres intervenants ont parlé de ça, le fait qu'il y avait des passerelles et qu'on pouvait se former au fur et à mesure. Et ça, c'est vrai, je pense que c'est important d'y penser. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait un bac scientifique et puis une école préparatoire et une école d'ingénieur, on ne pourra pas faire tel ou tel métier, en l'occurrence de l'informatique. C'est faux, on voit des parcours vraiment très différents. Quelquefois des parcours qui nécessitent d'avoir une pause dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on va partir avec un niveau d'études et puis commencer à travailler, et puis on va revenir plus tard en formation professionnelle pour évoluer dans le métier. Et question à vous, M. Varré, également peut-être à Mme Perrault, et aussi à M. Desbonnets, la place des gens qui choisissent l'apprentissage pour ce domaine de métier et d'activité. Alors, c'est très important, ça marche effectivement très bien, et à tous les niveaux, en fait, BTS, BUT, Master. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête, peut-être pour les parents qui sont là ou les jeunes qui sont là avec nous. On a encore cette étiquette d'apprentissage qui est liée au métier de l'artisanat, par exemple. L'apprentissage, il est présent partout. Apprentissage ou plus largement alternance. Apprentissage, c'est juste une modalité. Mais, c'est partout, on va trouver de l'apprentissage, à tous les niveaux de formation. Monsieur Coulon, réaction ? Vous parlez d'or. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser de vous rejoindre seulement à cet instant. J'étais à la table ronde du département de l'Aisne, dont je suis originaire, avant de vous rejoindre, vice-président en charge de l'apprentissage et de l'artisanat. Et bien sûr, pour moi, alternance apprentissage, c'est la même chose. On va dire que c'est plus l'usage que l'on l'emploie dans certains cas de figure, corps de métier, alors que le mot est plus facilement transposable dans d'autres écoles. Mais moi, j'abonde dans votre sens. On a fait exploser le plafond de verre aujourd'hui qui consistait à dire « Oh mon gamin, t'as pas de tête, mais t'as des bras, donc on va te mettre en apprentissage. » Sauf que l'apprentissage ou l'alternance, c'est en même temps qu'on est un étudiant, un apprenant, on est aussi un salarié. Et donc, on acquiert une compétence exceptionnelle à une vitesse grand V dans un organisme qui, s'il est
normalement constitué va avoir envie de vous garder à un moment ou à un autre, parce que vous serez un salarié bien formé aux règles de la maison et un collaborateur performant demain, tout à fait opérationnel. Moi, je suis convaincu que cette voie de formation va prendre de plus en plus de force aujourd'hui. Et je ne suis pas dans l'opposition voie scolaire, voie professionnelle, hein, pas du tout. Je pense que c'est le pragmatisme qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises et les jeunes qui sont des salariés, qui ont un salaire, qui sont des gens en responsabilité, bien qu'ils soient très jeunes dans une entreprise, ont un pied dans le monde du travail tout de suite. Je pense que c'est l'évidence qui montre qu'aujourd'hui, ça explose. L'alternance dans le supérieur notamment, ce qui était dans les études supérieures, c'est devenu la règle. Hein. On voit bien aujourd'hui qu'un très 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 grand nombre de formations passent assez vite en deuxième année, troisième année, en alternance, et aujourd'hui, l'appétence pour l'apprentissage, lorsqu'on parle là de formation infra-bac, c'est aussi la tradition de ces métiers, hein, que l'on connaît bien, les métiers du commerce et des entreprises de proximité, l'appétence est là parce que, clairement, on met en œuvre un savoir-faire, on est au contact du client, on est au contact de l'entreprise, on est sur des chaînes de fabrication, on travaille le numérique, on travaille l'industrie, on est dans le métier, dans les métiers extrêmement larges. L'apprentissage, c'est tout aujourd'hui, hein. C'est pas que des métiers peu qualifiés, uniquement concentrés sur les métiers traditionnels de l'alimentaire, le boucher, le charcutier, c'est pas ça. C'est le numérique, c'est les métiers de la mode, ce sont des métiers d'art dans la fabrication de mobilier. On est dans le domaine du luxe aussi de plus en plus. Donc franchement, cet apprentissage, nous, Région France, on y croit très très fort. On est derrière les apprentis, les alternants, en les accompagnant sur tout un tas de volets, financiers notamment, pour leur mobilité, pour les aider à se loger et à trouver près de leur école, leur lieu de formation, de quoi vivre leur vie d'étudiant et d'apprenant. Mais voilà, je pourrais en parler très longtemps, mais ces chiffres exceptionnels connus depuis maintenant 3 ans, où nous sommes autour de 40 000 apprentis et alternants en Hauts-de-France, c'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint. Ça ne tient pas uniquement à un certain nombre de circonstances aujourd'hui, le soutien financier de l'État, c'est vrai que ça aide, mais c'est surtout que je crois que les familles et les jeunes sont vraiment passés à autre chose et on se libère de cette vision un peu linéaire qu'on avait et dont je fais partie, hein. Moi, je suis de la génération, bah, écoute, mon gamin fait des études, tu auras un boulot, sauf que ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord faire les études qui vous permettent d'embrasser la carrière que vous voulez et les métiers manuels qui ont du sens, là où vous faites quelque chose avec vos mains, vous pensez avec votre tête, vous créez vraiment, vous êtes un créateur sur votre lieu de travail et grâce à votre outil de travail. C'est quelque chose qui fait beaucoup de sens aujourd'hui dans notre société. À un moment, on est un peu en perte de repères sur notre vie de citoyen, de salarié, voilà, globalement. Et M. Goulon, si vous pouvez me permettre, quid de l'insertion après l'apprentissage ? Oh, des taux exceptionnels. Alors d'une part, dans le supérieur, généralement, on a très vite des propositions d'embauche avant même la fin de la formation, clairement. Donc on sait très bien que l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous alliez rester si vous vous sortez bien et si vous vous faites des propositions intéressantes. Bien sûr, mais à 6 mois pour l'apprentissage, pour parler de se concentrer le niveau de qualification moins important en fin de parcours, on est à 6 mois à 80% d'insertion professionnelle. Donc, 8 chances sur 10 d'avoir un boulot très vite. Vous avez votre qualification, vous allez au bout de la formation, vous devenez un salarié, puis vous pouvez après, bien sûr, avoir des mentions complémentaires. J'ai été très étonné de voir, par exemple, des boulangers acquérir des mentions complémentaires dans le domaine de la boucherie pour arriver à avoir une vue globale des métiers quand on a envie d'être dans le métier de traiteur, par exemple. Donc, donc on monte en qualification et une fois qu'on est monté en qualification, généralement, on quitte la boîte qui vous emploie et on crée sa propre affaire. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc, par l'apprentissage et l'alternance, on peut aussi devenir son propre patron, ce qui peut être l'envie de celles et ceux qui se lancent dans cette voie de formation. Très bien. Si les autres intervenants ont des choses à rajouter, surtout n'hésitez pas. Eh ben moi, je vais me permettre. Allez-y, je vous en prie. Alors, je vais me permettre, M. Guillon. Donc,
Vous savez, comme je l'ai dit, hein, j'étais un représentant de parents d'élèves. Alors, Monsieur Guéant, on ne vous entend pas très bien. Si vous pouvez parler un peu plus fort ou augmenter le son. Et pour Monsieur Coulon, Monsieur Jean-Yves Guéant est donc aide-soignant et également président de la Fédération des parents d'élèves, également ambassadeur métier approche orientation et ambassadeur très, très actif, que je remercie. Voilà, en étant très transparent, vous, effectivement, je suis peut-être un président d'une grosse fédération de parents d'élèves qui est la FCPE du Nord. Je l'entends. Moi, je ne serai pas dans la conjoncture de dire l'apprentissage par l'apprentissage, bien au contraire, parce que il faut que ça soit le choix du jeune. Et j'ai envie de vous dire qu'on a des jeunes, dès le collège, ils veulent aller dans la voie d'apprentissage. Et malheureusement, l'éducation nationale ou certains enseignants lui disent « Mais non, mais attends, tu as 14 de moyenne, pourquoi tu vas aller en boulangerie ?» Ben, je suis désolé, c'est son choix. Laisse-le vivre ce qu'il a envie de faire, de façon que cet enfant ou ce jeune peut s'épanouir. Donc moi, je ne suis pas pro l'éducation nationale ou pro l'apprentissage. Moi, je veux simplement dire, c'est je suis pro le choix de nos jeunes. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse et uniquement ça qui m'intéresse. Et nous, professionnels tels que vous, monsieur Leleu, avec tout ce que vous faites avec Proche Orientation, monsieur Coulon, monsieur Varret, monsieur Desmonnet et madame Perrault, bah, c'est avec des professionnels comme vous qui permet aux jeunes de découvrir où il a envie d'aller et qu'on puisse l'accompagner dans la réussite de son projet. Et là, on a gagné quelque chose. On a gagné l'épanouissement d'un de nos jeunes qui sera tout à fait présent pour l'avenir. Pour vous rassurer, Monsieur Guéant, l'éducation nationale promeut l'apprentissage au même titre que la formation initiale sous statut scolaire. Et la meilleure preuve est vraiment le développement des unités de formation par apprentissage dans les différents lycées professionnels et puis l'encouragement à la mixité des parcours. Hein, par exemple, commencer son bac pro en première année en formation initiale sous statut scolaire et le poursuivre en apprentissage. Donc, je pense que les choses ont quand même bien évolué et la voie pro est clairement valorisée aussi actuellement comme une voie de réussite au même titre que la voie générale et technologique. Vous avez peut-être raison, mais au niveau national, ce n'est pas encore une vraie réalité. Peut-être, oui. Donc, voilà, il faut se défendre. C'est que ça doit être... Moi, je n'ai pas envie de parler pro, général ou pas, j'ai envie de dire le choix du jeune. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que dans les propos que je disais tout à l'heure, c'est donc écouter les jeunes, bien entendu, dans le raisonnable. Et effectivement, même si on a des enfants avec des notes exemplaires, effectivement, si la passion c'est de se diriger dans les métiers du luxe, par exemple, hein, métiers qui sont en pleine croissance exponentielle, pourquoi pas ? Alors, on peut peut-être rajouter un point à destination des familles et des jeunes. On parle d'apprentissage et pour faire un contrat d'apprentissage, il faut qu'il y ait une entreprise. Et c'est parfois pas facile quand on est un peu isolé, qu'on n'a pas de réseau, de pouvoir trouver une entreprise alors que un certain nombre d'entreprises souhaitent embaucher en apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter de pouvoir s'appuyer sur les réseaux existants et notamment les CFA qui ont un vivier d'entreprises, hein, des partenaires d'entreprises qui sollicitent régulièrement pour trouver des contrats d'apprentissage. Et donc les CFA peuvent faire ce lien entre l'envie ou le besoin du jeune pour faire une formation en apprentissage et puis l'entreprise qui recherche. On a aussi ce rôle-là de faciliter ces connexions. Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein. On développe l'apprentissage, mais c'est pas fort. Pour un jeune ou une famille qui n'a pas de réseau, c'est pas toujours facile de trouver un contrat. Voilà. Très bien, d'autres réactions ? Écoutez, si vous le permettez, on va clore cet échange très riche. Si des parents ou jeunes qui sont avec nous ont des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas à le faire via le chat, mais je pense qu'il est un peu tard, mais à votre disposition, le site internet Proche Orientation ainsi que la boîte mail Proche Orientation, donc
prochesorientations@audefrance.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions et on se fera fort de vous répondre de manière individuelle et la plus précise possible. Donc à l'écran, vous avez également les autres points tels que les conventions de stage avec les liens, le jeu pour s'orienter. Donc c'est un jeu sur lequel les jeunes, plus ils jouent, plus le profil est affiné et les appétences pour les métiers se dessinent. Et ensuite, on y retrouve également les rendez-vous pour orientation sur l'ENT en direct en replay. Également donc sur le site internet onicep.fr et cleorc2rp.fr. Et possibilité de prendre rendez-vous dans un CIO aussi. J'allais y venir donc pour conclure, donc prendre rendez-vous dans les CIO avec un psychologue d'éducation nationale et aussi ne pas se priver pour les jeunes et les parents de prendre contact avec les professeurs principaux dans les collèges ou les lycées. Et donc, surtout, ne pas se priver de tous les acteurs qui s'offrent à vous pour vous renseigner et de répondre au plus proche des attentes de vos enfants. Monsieur Coulon, je vous remercie beaucoup d'être venu dans mon département. Si vous avez quelques mots pour clore peut-être cette intervention. Non, tout ce boulot, moi je crois que tout le monde croit très fortement à la question de l'alternance et de l'apprentissage. Il faut juste que l'on apporte la meilleure information possible à chacun. Les familles, les jeunes, il faut que le monde de l'entreprise, et je remercie celles et ceux qui participent à l'opération des ambassadeurs de l'apprentissage pour venir à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires, il faut qu'on fasse passer le plus grand nombre d'informations possibles. C'est ça l'effort qu'il y a à apporter. Parce qu'on est tous concentrés sur l'avenir des jeunes, respecter leur choix à l'évidence. Plus personne n'a la capacité aujourd'hui de contraindre, même si parfois il peut y avoir quelques réticences à accueillir des entreprises. Je pense qu'on est tous là finalement pour leur permettre de devenir des adultes, des salariés, des gens épanouis dans leur vie personnelle et professionnelle. Et c'est ça le défi qui est au long cours. Hein. Tout ce boulot sur ce seul objectif. Encore, je remercie celles et ceux qui se sont mobilisés ce soir et encore une fois, toutes mes excuses de vous avoir rejoint très, très tard. Merci à vous, Monsieur le Vice-président, de avoir fait l'honneur de participer à cette table ronde en conclusion et d'avoir apporté quelques mots sur l'apprentissage. Et merci également à Madame Perrault-Lefebvre, à Messieurs Guéant, Desbonnet et Varet d'avoir participé à ce très riche table ronde. J'espère que les gens qui étaient connectés parmi nous auront apprécié le moment. Et si ils restent sur leur faim pour une question sur laquelle elle n'aurait pas été traitée, eh bien, écoutez, on reste à votre disposition. Dans chaque département se trouve un référent et également la boîte mail. Donc, je rappelle, prochesorientations@audefrance.fr. Merci à vous toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée. Et je reste à votre disposition, bien entendu. Et merci encore à vous.